Imagine, il est 22h, tu pars demain à 6h du mat et ta valise est carrément prête. Juste imagine, genre. Truc de ouf. L'état de ma valise. Départ dans 7 heures quoi, il y a la nuit qui passe entre temps. Je fais toujours les choses au dernier moment, je ne sais pas comment je m'organise. En tout cas, je me retrouve toujours à faire ma valise la veille au soir, c'est infernal. Est-ce que mon appartement est prêt et rangé pour partir, dans de bonnes conditions, l'esprit libre, tout ça? Non, non. Bah c'est top. Je crois que ce que je kiffe le plus comme ça quand c'est l'éveil de départ, c'est genre, je sais que là je quitte mon appart et ça va être la dernière soirée ce soir où genre je vais être chez moi et tout. Et je sais que quand je vais rentrer, j'aurai vécu genre plein de nouveaux trucs. En gros, chez moi, c'est un petit peu ma bulle de confort, tu vois. C'est un petit peu l'endroit où genre je me dis ok, voilà tout ce que j'ai accompli, je fais des mises au point un petit peu avec moi-même. Oui, oui, je fais ça. Du coup, je sais que la prochaine fois, après cette nuit, où je reviendrai ici et où je referai une mise au point sur ma vie, parce que là, je vais aller à l'extérieur, je vais aller en voyage et tout, il y aura l'effervescence, donc je ferai pas de mise au point. J'aurais vu les fucking pyramides d'Égypte. Je me réveille à 6h demain pour prendre un taxi, pour aller en gare de Rennes, pour arriver à Paris, pour aller à l'aéroport de Paris, pour prendre un premier avion, pour arriver en Égypte, pour prendre un deuxième avion, pour arriver ailleurs en Égypte, pour aller dans un bateau. Demain, ça va être une très très longue journée. Avant la tempête, un petit peu de calme. Je vais essayer d'apaiser mon âme avec une bonne tisane. Ça rime, putain, mais je suis une poète. C'est la fatigue qui commence à me taper sur le cerveau. Je me suis mis du vernis sur les pieds, je suis pas sûre qu'il soit très sec encore là. Oh, j'ai si hâte. Oh là 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 là. Ça va être incroyable, les gars, ça va être incroyable. J'ai envie d'éteindre cette lumière, de me dire que voilà, demain va arriver le plus vite possible. Et puis de toute façon, comme dans toute aventure, je vous amène avec moi. On part en Égypte, les gars. De retour dans ma tenue de voyage préf, valise bouclée, sac qui se boucle avec difficulté, mais il se boucle, c'est parti. C'est fou, ça se passe déjà, mais quand tu t'en prends. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir l'Égypte et tout. Ouais, ah ça c'est Rennes. Il n'y a pas de sphinx. Hein. D'accord. La pyramide du coup. Je comprends pas. Il n'y a que de la galette aussi. Tu m'as décollé les oreilles, wesh. Mais c'est quoi ce masque là? Tu l'as pris dans un pull ou quoi? Je l'ai acheté sur Amazon. Est-ce que nos valises sont toujours là pour l'instant? Je la vois pas. On va me voler mes trucs. Une petite robe de soirée, parce que tu veux pas les mettre. Some crazy people look passing me by. They're always running, but I don't know why. On a presque pensé à tout. Il nous manque un seul truc. La trousse à la pharmacie. En Égypte apparemment. Et c'est possible d'avoir le caca mou. La chasse. La chasse. Le cul en feu. Une petite trace. Une trace dans le cul. Ah, pas top. Mais il y a des gens à l'intérieur, je comprends pas. Bonjour. Bonsoir. Mais attends, mais on est con. On est pas du tout bon. Attends. Mais non, c'est l'entrée. Ah si, il y a écrit sortie. Ah oui. Pas top. Le voyage se passe comme prévu. Ah oui, ça marche beaucoup mieux ici. Hein. Ah bon, là. On avait besoin de quoi d'autre? Des masques aussi? Tu chutes des huiles essentielles? J'ai besoin d'un peu d'apaiser mon âme de temps en temps. Tu flexes ou quoi? Résistance physique et émotionnelle au stress. Oh bah c'est sûr, alors ça. Oh tiens. Non mais du coup ouais, je pense qu'il faut peut-être demander à la personne. Bonjour. On a deux boîtes de Doliprane 1000. Avec ça, une boîte de Smecta, s'il vous plaît. Peut-être deux, si jamais. Si vraiment ça coule. Arrête là.
toute façon, si on appuie, c'est que ça passe. C'est ça la strat. Tu peux l'appliquer dans d'autres situations de ta vie. Hein. Comme ? Quand ça passe pas, t'appuies. Et ben voilà, c'est une affaire qui roule. Au moins, on aura la chiasse, mais on aura des bonbons à la framboise pour passer le goût. Et abricots pêche. Super. Avant de les retrouver à l'aéroport, laissez-moi vous présenter le casting le plus iconique du YouTube game français pour ce petit voyage en Égypte. Voilà, je pense que si vous n'avez pas vu qu'il y avait Fab, c'est que vous n'êtes pas attentif depuis le début de la vidéo, et ça, ça me plaît pas. Donc merci de suivre. Était présente également sur ce voyage la team du 105, Lizzie, Camille, Raven et Alexandre, le monteur de Camille, Dooms et Sora. C'est pour me tuer... Non, pardon. Et pour finir ce collectif, Victoria et Johan, eux, ils arrivent que demain, mais vous allez voir, vous allez les kiffer. Bon, ça suffit, hein. Vamos à l'aéroport. Bien sûr qu'on parle pas espagnol en Égypte. Bien sûr que je sais pas parler arabe, donc bien sûr que je vais parler... Et pas arabe dans la vidéo. Zut. Dialogue, c'est impossible, quoi. C'est vrai que ça fait super près. Vas-y, s'il te plaît, je peux essayer de nous quitter sur ta valise. Ils ont pas, et ils ont pas. Tu vois, c'est une focale fixe. Ah ouais, c'est focale fixe, ouais. Ok, allez, on arrête, c'était cool. Mais elle se remet en place direct. Celle de Camille, ça serait incroyable, je pense. Oh, tu peux te balader dans tout l'aéroport. Bah, surtout pour le Mexique, tu vois, c'est une destination. Ça marchera encore ici. Ah bon? Les Mexique, les pyramides, tout ça. Vas-y, pousse-moi sur la valise de Camille. C'est terrible. Dépaysagement, hein. On commence le voyage. Même dès l'aéroport, franchement, il faut commencer à se dépayser. Mais je pense que là, quand on va en Égypte, ça sera des patates égyptiennes. C'est des patates élevées en Égypte. J'ai vraiment l'impression que là, tu mens. En plein air, hein, en Égypte. Oui, bah oui, Théa. Bah, ouais. Ça tient pas. Bah oui, voilà. Bah, ça tient pas. Vous êtes vite, hein, vraiment. Ah, vraiment avance. Vite. On passe le McDonald's d'Égypte. Ah merde, les amis, attention. Non, mais c'est un cas qu'on se dépêche. Ouais, t'as totalement raison. En vrai, j'ai pas compris. On se dépêche. Mais bon. On va s'embrouiller, nous. Hein. Après, vous en faites pas, je suis vraiment pas le boulet du groupe. Ça va? C'est compliqué. Les gars, on a un problème de valise. On a déjà perdu 3 valises sur 8. Qui sera le prochain? Après avoir failli perdre nos valises, nous avons enfin passé la douane. J'ai envie de prendre 3,50€, wesh. Mais attends, mais là on se fait pigeonner, on a même pas mis un pied dans un autre pays. Ah ouais, non, là c'est après, trop. Après, j'ai pas soif. Vas-y, je refuse d'être un pigeon à ce point-là de payer 4€ une bouteille d'eau. C'est pas trop choupinou. Regarde, non. Ça c'est pour Théa. Voilà, ça c'est pour Fabien. Ça c'est pour Sora. Ça c'est pour Veuve. Ah oui, j'allais dire un mot. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour. Non, ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça, Théa aussi, elle aura le droit, mais juste celui-là. Pas plus. Mais on le repose. C'est... Ah, c'est top, les gars. Mais t'inquiète. Attends, on a plein de trucs à te montrer. On encore. A d'autres trucs. Hein. On a plein de trucs. Ouais, Fab, 2,20€, voilà. Ouais, on a failli se faire niquer 2€ pour ça. T'as dit un petit foie gras de canard entier? Oh non. Pour l'avion. C'est limite, ça. Après, les gars, vraiment, on va faire nos achats de notre côté. Ouais, parce que Robert, regarde. Regarde, genre, t'as pas envie de... Un super pack familial. En fait, son problème, c'est qu'elle mange pas de viande. Les copains, Gizzy. Coucou Gizzy. Ça va être long le voyage. De relâchement après, on revient aux ennuis. Mais je pense que c'est rentré là, maintenant. Mais pour sa tête. Ça, c'est sûr, on a même pas de... Quelqu'un a un mouchoir. Légèrement trempé. Un mouchoir. Tiens-le. J'ai une goutte au menton. Ah bah top. Un euro là. Je vous ai pas trop expliqué, mais le voyage, on est encadré par un tour opérateur. Et du coup, nous sommes avec deux personnes qui vont nous accompagner pendant tout le voyage, dont Juliane. Bonjour. Donc si vous les voyez dans les vidéos, au moins vous saurez qui c'est. Moi je travaille chez Civitatis. Ah pardon, excusez-moi. Oh, merci beaucoup Civitatis. Tradition. C'est quoi la tradition? Ils ont la main et après tu touches le dos de la main. Quoi tu fais cette fois? Bah pour porter chance. Regarde pas vrai. Bonjour. Ah non, on est pas... C'est quoi toi? T'es G? Ouais. Oh non, on n'est pas à côté. J'ai fait haut sur la terre. 28 moi. 28, vous êtes là-bas. Ouais. Mais attends, mais au pire... Gizzy, il est 28 aussi?
mais je sais pas où il est. Je crois qu'on bouge là. Oui. C'est vrai que lui tape son meilleur live en stade là. Très immersif, elle réagit. C'est incroyable. Bah, c'est la fin du poste, bah, il a investi en tout cas, il est embêtant. Bah, ça, ouais, c'est surtout qu'il va se mettre en mode avion quand il est pas loin, il y a une petite coupure. Les gars, désolé, mais abonnez-vous en tout cas, abonnez-vous. J'ai trop peur. Tous les putains de décollages de ma vie. Moi je tiens toujours le truc. T'as l'air super à l'aise. Et moi je suis archi à l'aise. Pas de stress, il y a un mec qui stream dans l'avion. Oh mais comme le goût putain. Mais il stream toujours putain de sa mère. J'espère qu'il aura le temps de lancer son raid. Hein. La tête de Kizzy, il est comme ça. Sur la 5G d'Orange. T'as vraiment qu'il a une bonne connexion. Moi, j'avais déjà aucune barre. En tout cas, la vue est belle. Hein. Bah, il y a vraiment rien quoi. Ça, c'est à cause de la tempête des sables. Hein. On vous a parlé de la tempête des sables ? Non, non, c'est vraiment. Pourquoi la tempête des sables ? Que attends, il reste quelqu'un. Dans une tempête des sables. Arrêtez vos conneries, viens. Je te jure. Si on décolle, t'inquiète, c'est que je pense que. Alors vu les bagages. Après il fait un stream avant qu'on passe au final. Il fait un stream. Non mais je pense que le bateau va couler hein. C'est, je pense que on se porte pas comme ça. Je te conseille pas d'aller te baigner vite fait dans le milieu. C'est Gizzy, c'est plutôt radical, j'ai l'impression. Un petit muffin, un petit pain qu'elle au immonde. Bah écoute, c'est ça, tu ne manges pas de viande, c'est t'es tout ce que t'as, d'accord. Un petit beurre. Un bout président, alors ça c'est chouette. Une vieille morve. Ah, ça me dégoûte. Ça par contre, c'est archi clair. Ouais, c'est bon. Mais attendez, là, mais c'est la taille d'un appartement parisien, le truc. Mais regarde, là. Par contre, c'est dommage à ta mère. C'est fou. Regardez, j'ai un spot pour vlogger de ouf. Non, mais en vrai, tu vas pas commencer à casser les couilles. Je vais faire un test de... Non, on peut s'allonger dans le siège. Il y a un écran là-dedans. C'est impossible. Mais il y a une bouteille d'eau qui est au froid. Il y a une Switch là-dessous. Il y a full prise pour charger ses trucs. Mais non. Attends, c'est une console. Il y a une console. C'est une console. Mais non. Comment ça s'enlève? Incroyable. Ah ouais, Dak. Wow. Regarde. Excuse-moi. Bon alors, ça c'est pas le truc le plus incroyable. Ah mais si, c'est incroyable. Maxime. Raven. T'es surexcité toi. Raven. Ça va, Théa ? On est super loin. C'est fou. Il y a tellement d'espace entre nous. Je t'envoie un message. Ok, on n'a pas de... C'est le seul truc qu'on n'a pas, on n'a pas de réseau. Ouais, nous, ce qui est super chouette, c'est qu'on va pouvoir discuter tout le voyage, mais on est voisins. Non, t'inquiète, on peut dormir aussi tout le voyage. T'as mangé dans l'avion avant ? J'ai pas. Le couple qui est à côté de nous, il regrette fort d'avoir pris des places en espion d'être au calme. Oui, c'est deux jeunes. Oh, tu as cassé les couilles. Imagine les gens qui ont pris des places pour être au calme. Mais il y a nos... Regarde, on peut mettre nos pieds en l'air. Ça vous dérange si je fais un stick? Non, regarde. Oui, j'ai... Tiens, Fab. Fab. C'est pas possible. Prends la cam alors si c'est vraiment la tienne. Prends la cam. Tu filmes. Les gars, on a vu une valise qui s'est barrée. C'est carrément la mienne. Elle est toute seule, elle est bien là. Je peux dire à la fin d'entraînement. Mais je sais pas, gros, mais personne n'a remarqué pour l'instant. Mais c'est pas la tienne, Fab. Ah si, c'est la tienne peut-être. Mais elle sort d'où? Non, c'est dans ta famille, tu veux pas paniquer. Attends. Il l'a vu. Attends, il l'a regardé. Il l'a vu, l'appartement. Mais non, mais non, mais ça s'en bat les couilles. My baggage. You can contact the people who are putting the luggage in their suits here. My baggage. Ok. Il a dit y a rien qui est grave. C'est bon. Il sait pas trop ce qu'il en fait. Attends. Mais regarde, ils y retournent les gens. Il l'a pointé du doigt les mecs. Ah c'est bon. Il l'a récupéré. C'est bon, il en fait ça.
cas, c'est super cool d'avoir récupéré presque bientôt nos valises. Non mais là, t'inquiète, elles vont arriver, le tapis il est en marche, elles vont glisser quoi. Allez là. Non mais c'est trop. Elles sont ok ? Oh putain les gars, les valises, elles ont pas pris le deuxième avion, du coup elles ne sont pas ici. Mec, on a pas de valises. Flavie, nos valises. Nos valises. Non mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à mon avis demain, premier vol, elles vont dedans. Oui, on les récupère. Mais il y a le, à mon avis, tu vois, tu sais pas vraiment. À ton avis, moi, à mon avis, elles étaient censées être là. Ouais. La meuf à Paris, là, d'embarquement, j'ai une profonde haine. Elle, franchement, elle nous a mal parlé, on connaît rien. Dès qu'on a vu la meuf Charles de Gaulle, on savait qu'elle avait déjà entre la meuf. Après avoir failli perdre nos valises, nous avons enfin passé la douane. Donnez les noms de les étiquettes que nous n'avons pas pour que vous appreniez. Après, en vrai, on a juste perdu quoi ? Les valises. La question c'est surtout qu'est-ce qu'on a. On a besoin d'un état des lieux de qu'est-ce qu'on a. Hey, imaginez quand on va rentrer dans l'hôtel, on va se poser dans le lit avec rien. Avec nos amis du vol. On va vouloir aller dans la salle de bain pour laver les dents. Ouais, rien pas. Non mais là j'en peux plus. Comme ça. Nous ce matin quand on arrive à la gare, moi je galère un petit peu alors. Et nous, quand on arrive en Égypte. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Les amis, c'est terrible. Du coup, on est arrivé dans la chambre. On va vous faire un petit tour. Je peux mettre sur ce lit, moi. Tu veux lui, là? Ouais. Bah, si tu veux. On sent pas du tout qu'on est sur un bateau. Ouais, c'est tellement grand, on dirait. Ouais, parce que le Nil aussi, on n'est pas en haute mer, du coup, on sent. Ouais, on arrive. En gros, pour vous expliquer, on n'a pas nos valises, comme vous avez vu. On les récupère demain matin, en même temps que Victoria et Johan. Bien là, on ne peut pas se laver, on n'a pas de brosse à dents. On n'a pas de démaquillant. Parce que là, regarde, ils nous ont rien donné. Hein. Ouais, on a demandé, ils ont dit. Reda, il a fait. Il y a des brosses à dents, Reda, il a fait. Là le truc c'est qu'on savait pas qu'on allait devoir se lever à 6h30 pour aller faire la première visite. On sera bien, tout pareil, alors que là il est 2h. On va avoir dormi 4h, sachant que la nuit dernière on a déjà dormi 4h parce que nous avec Fab on est parti de Rennes du coup ce matin. On s'est couché à 1h30, on s'est levé à 5h, moi je me suis levé à 5h30. J'en connais rien, il aurait dit ça c'est hoche. Du coup la petite chambre, la chambre par contre est vraiment cute. Là du coup c'est les toilettes, salle de bain. Plus ou moins classique. Et ensuite du coup la petite chambre avec les deux petits lit twins qui sont déjà séparés. C'est bon, notre mission c'est est bon, réussie et okay. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Viens, on se met en pyjama. Ah bah regarde, bah ça y est, bah je suis prête, bah je vais dormir. Mais mec, mais dormir maquillé, c'est le pire truc. Faut que je me mette de l'eau sur la tronche hein. On va ressembler à rien, on pue, j'ai même pas mon déo. C'est terrible ce qui se passe. Si tu veux me dire un truc pendant que t'es aux toilettes, il y a un téléphone ici, hein. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, je te jure. Quel bonheur de dormir dans des nouveaux habits. Non. Heureusement que j'ai Doudou. Bah bonne nuit, mon petit sucre d'orge. C'est lit sur roulette. C'est vrai que les meubles, ils glissent. Oui. Regarde, je te jure, les meubles, ils glissent. J'avais dit belle écoute à tout. Ventre glisse. Voilà, t'as réveillé juste au premier étage. Ils ont des valises. Oui. Vas-y, ça me saoule, je pue là. Vous êtes en apesanteur, les gars. Tu as payé 3000 euros le tout là. Oula. On se réveille dans 4h30. C'est bien. Ah, c'est bien. Allez. Bonsoir, Luxor. Il est 2h30, c'est bon. Allez, bisous les copains. Transition tête du matin. Transition, bah, je suis habillée pareil qu'hier. La tête est approximative quand même. Tu t'es maquillée comment, toi ? Savon sur la gueule. Ah, pareil. Ah, mais...
savon PQ. Hop là, ça commence bien le voyage. En tout cas, on va être super frais pour nos photos Insta. Ouais, j'avoue. Bonjour. Marie. Bonjour. Bonjour. Ouais. Les copains. Ça va, vous avez eu votre sieste? Ouais, ouais. Bah merci, bon, ouais, ouais, ouais. On retourne à vite. Qui pour un petit fruit coupé à l'eau? Ah, le mec, il avait rempli son assiette. C'est de pas possible. Fruits, bah. Un petit fruit à l'eau. Première sortie dehors. Allez. On voit le paysage. C'est incroyable. Non, il faut vraiment c'est savoir très, très qu'il beau. Est 8h10 du matin et il y a soleil comme jamais. Mais quoi. C'est vrai. La prends tout de suite. Mais vous venez d'où vous? Je passe la cam au mec qui a mis ma chemise. On attend, mes amis. Andas, on fait un giga face la cam. Tu sais, tu dis je passe la cam à lui. Je passe la cam au mec qui parle le plus. Non, tu vas pas voir. Non. On arrête la blague. Ah non, on arrête. Autre chose. Merde. Putain, ça c'est de l'époque, je pense. Je passe la cam au chien. Mais dommage. T'as quoi, t'as mis quoi, mon ref? Ok. Ça fait un tour. J'arrête le genre. Devine qui je suis. J'adore. En vrai, j'ai amené ma petite casquette, je l'aurais bien kiffé là. Mais elle est dans ma valise, du coup, ben, je vais me faire foutre. On dirait pas la daronne touriste qui a mis vite fait sa casquette au-dessus de sa queue de cheval là. Fabien. Oui. Fabien, le groupe s'en va là. Oui. Allez. Oh, c'est fou là, regarde, y'a de l'eau. Par contre, j'avais vraiment besoin genre d'une casquette et mes lunettes. Ah bon? Oui. Ou au moins de mes lunettes. D'accord. Tu me la prêtes un petit peu? Hein? Tu me la prêtes un petit peu? Je sais si vraiment tu la mets avec plus de flow, s'il te plaît. Mais c'est écrit sur le panneau! Là, c'est mieux, là? Ouais, c'est mieux. C'est la pire touriste d'Égypte. Et la plus froissée parce qu'elle a pas de steamer. Mon steamer dans ma valise! Et bon, les gens, combien? 14. 10, 14? 105, 25. 3, plus. 20? Plus. 25. 30? Plus. 30? C'est ça. Je t'explique, en gros tu dois faire 7000 fois le tour, ça porte chance. Les hommes ils doivent faire 7000 fois le tour du scarabée. Je te jure c'est ce qu'il vient de dire par contre, premier degré. Et les femmes c'est 7 fois. Plus que 6999. Même toi on n'a pas fini, on n'a pas encore fini le premier. Flavie tu vas finir avant eux je pense. Hein. Sur un bon rythme. Il y a quand même un petit gap entre 7000 et 7. 6998. One eternity later. Plus que deux. Allez. Mais non. Plus que allez deux. Les gars, vous êtes pas loin. Allez-y. 7000 fois. C'est vachement... Attends, je crois qu'on a fait 7001. Oh merde. Putain mec, 10 ans de malheur. 10 ans de malheur. Bon, on recommence. Oh la vache. 6999. À 3 on court, ok? Vous êtes prêts? Non. Mais vous êtes jamais prêts pour faire des jeux avec moi. Tiens. À 3 on court. 1, 2, 3. Là, on a plus de guignol. Mais je crois que t'es pas parti. Si, mais juste, je te laisse un peu d'avance. 2, 3. J'arrive, meuf, j'arrive. T'es où les preuves d'immunité? 3, 2, 1. Égypte. C'est ça, non? Ta mère qui cadre une photo. Fab, t'inquiète, je te prends en photo. Je suis pas sûr du plan là tout de suite. Ah, un peu plus droit, tu préfères? Mon nouvel objectif à 8000 euros. Ah oh ouais, là ça tue en vrai. Hein. C'est incroyable. L'heure de la révélation a sonné, back, tout le point de départ, l'aéroport. Apparemment nos valises sont arrivées. Attention, est-ce que... qu'il y a une mauvaise intuition. Moi, après hier j'avais une bonne intuition et c'était faux. Donc peut-être là avec une mauvaise intuition ça sera vrai. Vous voyez? J'ai peur.
Ah, il y a la mienne devant. Non, 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 il n'y a pas la mienne. Derrière. Putain, je suis sûr que je la voyais pas, je suis juste là. Aïe. Ah, ah si, elle est là. Enfin. On l'a tous en plus. Même toi. Moi, j'avais parié sur toi, peut-être. Non, mais toujours sur moi, facile. Dans mes DM, j'ai reçu des gens qui me disaient « Ah ouais, t'as porté malheur à tout le monde, toute l'équipe et tout. » Je pense qu'ils m'en veulent, j'ai perdu 10 000 abonnés, je pense, en une nuit à cause de ça. Ah, carrément. Non, je pense que là, t'abuses un peu, là, je pense. Ouais, j'abuse. Je pense que t'abuses Okay. Ah, cette embarcation! Attends, mais c'est fou là ce qu'on fait là! Heureusement que Fab il m'a prêté sa casquette parce qu'il fait tellement chaud, le soleil il tape tellement fort. Je sais pas trop ce que c'est le programme, mais je crois qu'on va sur l'autre rive du Nil. La grosse fête et tout là. Ouais, elle allait dans la grosse fête, tu vois. T'es allé où, Théa? Là, là. Je suis là, je suis là. On est sur le Nil. Oui, c'est incroyable. Let's go. C'est trop. Repas depuis hier midi. Tout le monde s'est réveillé sur le buffet. Hein. Clairement, il n'y a plus personne. La douche après là. Ah, la douche. Mais vous pouvez pas savoir. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur sur YouTube parce que là, vous pouvez pas savoir à quel point on pue. Oh, les valises. Let's go. On est dans la même chambre. It's 417. Sorry, but we can take it from here. Sure? Je veux pas. Ok. Yes, it's just upstairs. Las valises. Thank you very much. Thank you. Il y a la télécommande. Mais là, on vient de rentrer, c'est là. On vient tout. Voilà, bah, je continue à vous donner des petites photos. Et puis... Là, c'est... Let's make that. Oui. Oui, mais là, je suis hyper contente. Oh, mes affaires, mes tongs. Attends, mais tu vas super vite. Vivi! Vivi! Victoria! Johan! Mais ils sont où? Ah, mais c'est peut-être là sinon. Mais non, ils sont rentrés là. Ah, mais si, ils sont là! Mais si, ils sont là! Attends. Tu penses que ça va ressembler à. La merde! Ah ouais? La merde, il est en l'air! Arrête! Tiens, Fabibi! Tiens, Fabien! Tiens! Qui c'est qui vient de se rendre compte qu'elle avait oublié sa brosse à dents? Qui c'est qui a fait le tour du bateau pour trouver une brosse à dents en plastique? Qui est la pire voyageuse de France? C'est moi la pire voyageuse. C'est moi la pire voyageuse. J'ai vraiment tout, hein. J'ai 18 t-shirts, 26 jupes, 36 shorts, mais pas de brosse à dents. Tu sais ce qu'on fait, Vap, ce soir? Quoi? Un petit masque. Oh, mais non. Panda! Viens, je regarde si je peux ouvrir et filmer dehors. Parce qu'on sent le bateau bouger. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a deux secondes, il était à quai. Et en fait. Théa? Dans le prochain épisode. Mais laisse-moi parler. Non, mais c'est dans moi. Le prochain épisode. C'est moi. Dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Non, c'est moi. Dans le prochain épisode. Laisse-moi dire dans le prochain épisode. Ça me brûle. J'ai l'impression d'être un peu Je pense qu'on est à la télé, tu penses. Waouh. Demain matin, je débarque 4 heures de maths. 4 heures.
7h de... 15h de bus Bah, bonne nuit. Ouais, c'est un délire. Il se passe bien ici. C'est pour me tuer la constipation. J'ai vraiment hésité à me mettre des doigts dans le cul. Hey, y'a une valise, c'est pas la nôtre. C'est terrible dans la boucle. Ah non, je suis...